Ben, le jeu, ben, tout simplement, ça évoque l'enfance. Hein, jouer, voilà, jouer à être des personnages, c'est un peu. Au départ, pour moi, en voulant faire ce métier, c'était, je crois, avoir envie de vivre plusieurs vies. Voilà, je crois que c'est toujours ça d'ailleurs. Dans le fait d'être acteur, je pense qu'il y a un dédoublement de personnalité. Voilà, donc on n'est pas fou, heureusement. Mais c'est vrai que c'est un jeu avec la personnalité. Mais il faut pas se prendre pour le rôle qu'on joue. C'est là qu'intervient la pratique, la technique, le métier. Dans le personnage qu'on interprète, il y a beaucoup de nous. C'est un jeu avec soi-même qui est très agréable. Ce qui est important, c'est qu'on ait toujours ce rapport au jeu, c'est-à-dire qu'on ne se prenne pas au sérieux, qu'on travaille sérieusement. Et je dis on, enfin, que je travaille sérieusement, mais que je ne me prenne pas au sérieux. J'espère que c'est le cas. Chez Peugeot, j'étais bien. J'étais à un bon poste. Disons qu'on était avec une bande des gens entre 30 et 40 ans. J'étais bien avec eux, on s'entendait bien. À part un qui avait vraiment une tête de con, mais autrement, c'était bien. Ça, chez Peugeot, j'ai pas eu à me plaindre, moi. J'étais bien traité. Même mieux traité que chez Citroën. Franchement. Ils sont, comme on dit maintenant, assez cool. C'est ça, assez cool. Disons que si on a un petit problème, tu sais que tu peux compter sur eux. C'est pas comme à Citroën. Non. À Citroën, si t'as pas le chef d'équipe pour te remplacer quand t'as envie d'aller aux toilettes, tu sais que tu pisses dans ton froc. Hein. Remarque, comme ça t'es tranquille. Tandis que chez Peugeot, dès que tu fais appeler le chef, au bout de 5 minutes, il est là. Même pas, il arrive tout de suite. Il n'y a pas de problème. Deux ou trois fois, chez Citroën, j'ai eu des problèmes comme ça. Deux ou trois fois, je me suis mis à gueuler parce que j'avais envie d'aller aux toilettes et que je pouvais pas y aller. Parce que le chef était parti à Pétaouchnok. Alors, la première fois, j'ai rien dit. La deuxième fois, j'ai gueulé. Puis, la troisième fois, j'ai quitté mon poste. Je suis parti aux toilettes. Alors, 5-6 voitures qui sont passées, il manquait un joint, une glace, une poignée de porte. Ça, chez Peugeot, on aura beau dire, c'était plus confort. Enfin, de ce côté-là toujours. Ouais.